Yo, la famille, comment vous allez? C'est votre homme, c'est Vité et Victor. Il y a bonne nouvelle, les amis, il y a bonne nouvelle. Voilà, avant de rebondir sur cette nouvelle-là, j'aimerais vous faire voir d'abord la vidéo, là. Franchement, quand j'ai écouté le son, c'est un son qui a fait mouche en 2019, les amis. Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté. L'homme qui est souvent attaché ici, sur Return de Search TV, en featuring avec le Saf Kim. Et attends la rythmique. Et les mélodies dans le son, franchement, ça annonce bien son année 2019. Regardez la vidéo et puis après on parlera du concert du duel et puis je vais réagir rapidement sur ce gros featuring en devenir. Ça parle bien. Sidiki Diabaté, c'est la musique africaine qui gagne. Je pense que le visage de ma musique ivoirienne est en train de changer petit à petit. Voilà, donc bon visionnage et puis on se reprend tout à l'heure. Nous sommes de retour, vous avez écouté un petit bout, un petit aperçu de ce gros tube là pour cette année 2019 qui commence demain. Voilà, deux grands hommes, deux grands faiseurs de musique africaine, un ambianceur et un mélodieux. Vous voyez un peu ce que ça va donner. Mais avant de continuer dessus, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Voilà, vous me connaissez, moi il y a des choses, je ne joue pas avec. Je voulais juste faire un petit clin d'œil à Vétiololas. Vétiololas, il y a un truc que moi je comprends pas chez toi. Mais quand je pousse un peu mes réflexions, je comprends pourquoi tu es dans ta situation actuelle. Je comprends pourquoi, malgré ton énorme talent, malgré ton talent démesuré dans la musique, tu ne peux plus percer. Je comprends. Tu fais trop le frustré et ça, c'est pas intéressant. Tu fais trop l'intéressant et ça, c'est pas aussi intéressant. Tu te sens toujours obligé de t'immiscer ou bien de mettre ta bouche dans ce qui ne te regarde pas. Moi, je te dis la vérité, les amis, peut-être vous ne le savez pas. Moi, je suis un des grands fans de Vétiololas. C'est pourquoi, il y a quelques jours, vous avez vu, j'ai fait beaucoup la promo de son son Conseil du Sage. Parce que le mec, si c'est chanté là, il sait faire. Si c'est musique là, il connaît. Il est trop fort. Il a trop fait pour la musique, vous ne pouvez pas imaginer. Mais apparemment, je comprends pourquoi Dieu le fait stagner dans sa situation là. Parce qu'on dirait dans son fond là, c'est pas bon. Il est trop frustré en fait. C'est-à-dire, comme tu as un problème avec Didier Arafat, quand il y a quelqu'un qui est en train de faire un truc, peut-être avec Didier Arafat, tu te sens obligé de lui envoyer des pics. Quand Debordeaux Jadis s'est réconcilié avec Didier Arafat, c'est toi qui passais tout ton temps, poste sur poste, à envoyer des pics à Debordeaux, Aujourd'hui, c'est Ariel Chiné, parce que soi-disant le petit a allé se mettre à genoux pour demander pardon. Hier, j'avais une vidéo pour dire qu'on appelle ça preuve d'humilité. Il ne s'est pas rabaissé. Un, il est le petit frère. Deux, le mec, il a fait beaucoup pour lui. Trois, les droits des nes là, il existe en Afrique ici. Donc toi, ton âge avance. Comme tu le dis souvent dans tes vidéos, tu es le plus vieux peut-être. Tu n'étais même pas encore réalisé. Les Ariel Chiné qui ont commencé hier là. Les Safara qui ont commencé hier là. Ils ont déjà fait deux concerts jusqu'à ils vont faire un autre concert encore. Ce premier janvier 2019 là. Et toi, au lieu de te concentrer sur toi, concentrer sur ta musique, pour que Dieu puisse avoir pitié de toi et commencer à faire éclore ce gros talent là, tu es toujours là à envoyer des pics. Tu es toujours là à envoyer des pics. Le vieux, il faut te revoir. Regarde comment tu mets la honte sur moi. Quand j'ai tenté de faire promotion de ton conseil, tu m'as rien demandé. C'est parce que j'ai écouté le son est très bon.
Et j'ai jugé que ce soit un droit à aller loin. C'est pourquoi j'ai cherché à faire tant bien que mal la promotion de ton conseil du sage. Tu es fort, tu ne peux pas te concentrer sur ta musique et laisser ces clashs-là. Non, en 2019, on n'est plus dans les clashs. Hein. C'est révolu tout ça. Actuellement, on sait à soigner l'image de la musique ivoirienne. On sait à donner un nouveau visage à la musique ivoirienne. On est petit, hein. On a de l'influence. Go, arrête chiner et aller demander pardon parce qu'il a son concert. Il n'était pas en guerre avec DJ Rafa Disbé, et puis il allait faire son concert à l'Ivoire Golf Club là. Il a déjà oublié. Il faut arrêter. Quand tu es un grand frère, apprends à te faire respecter. Tout cela était bonnant. Soit dit musique là, il n'y a pas l'homme. Eux tous, ils te respectent. Ils ont un grand respect pour toi, mais toi-même, tu ne te respectes pas. Il faut arrêter. Je m'attarde sur toi parce que souvent, tu es énervant. Il faut arrêter. Moi, j'étais mon grand frère, moi, il a fait toujours du soir avec toi. Hein. Parce que je ne veux pas comprendre un homme qui est toujours là. Vouloir se faire remarquer négativement sur les réseaux sociaux. Et puis on t'insulte souvent. On va insulter ta pauvre mère. On va insulter peut-être ta pauvre chérie. On va insulter tes enfants. On va t'insulter toi-même. Mais tu continues dedans. Il faut arrêter. Il faut arrêter. S'il te plaît. Ça ne te ressemble même pas. Alain Chiné l'a fait parce qu'il devait le faire. C'est le conseil du 1er janvier 2019. C'était à Guichy. C'est bouclé. Le conseil de la protestée le 29. Ça ferait le bien et à l'HD, on vient boucler ça. Guichet fermé. Attends, le 1er janvier en 2019, vous voir. T'as venu dire la blague, t'es allé demander pardon. Parce que, bref. Donc, comme je vous disais, on va parler du featuring de Safari Lobiang et de Sidi Kitabate. Franchement, moi, je trouve que c'est une fierté, quoi. C'est une très, très, très grande fierté. Je suis heureux parce que, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai vu de l'émotion au niveau de ta parole. C'est comme si les gens ils n'en revenaient pas. Je ne dis pas que Sidi Kitabate c'est un vieux chanteur ou bien il est trop fort. Non, mais c'est quelqu'un qui vraiment à l'international qui a une grande cote. Ce n'est pas tout le monde qui chante Sidi Kitabate. Ça faut que je vous le dise en même temps. Peut-être que vous ne savez pas, mais je vous le dis. Actuellement, là, lui ne fait pas choquer dans bar ou dans boîte de nuit. Il fait sale et puis il remplit en bing. Il faut respecter. Donc je pense que Safarel Obiang est très heureux de se voir faire un featuring avec Sidi Kitabate. Et puis imaginez un peu ce que ça va donner. L'ambianceur, le grand chorégraphe Safarel Obiang en featuring avec l'un des plus grands griots de ces dernières années. Notre pays frère, le Mali, Sidi Kitabate. Sur une musique. Si vous avez bien écouté avec moi, sur une oreille musicale, là, vous savez que ça c'est un tube forcé. Ça ne peut pas taper pour toi-même. Ça va tuer mauvais même. Grave. Ça va tuer mauvais même. Ah! Oh! Quand il y avait été content, il dit, hé hey, Seigneur, j'ai besoin de voir cette collaboration là dans ma musique ivoirienne, dans ma musique africaine. Oui! La musique ivoirienne doit se réveiller maintenant. L'heure n'est plus au clash. On doit penser à nous maintenant. Voilà, on doit s'imposer maintenant. 2019 là. Musique ivoirienne ou rien. On s'impose ou on s'impose. Voilà. Parce qu'il va vous dire, vous savez que ça va le gang là. C'est vrai que c'est un bon danseur, c'est un bon showman, mais Kevin Chaté chante bien. Et après, ça sont décalés. Je sais pas si vous avez écouté, mais vous allez sur sa chaîne, vous allez écouter. C'est vraiment bon. Il sait vraiment chanter aussi, le mec. Voilà. Donc, je faisais cette vidéo là pour féliciter Sidi Kitabate et Arel Chiné pour cette collaboration là. Franchement, c'est ce que nous on veut dans cette musique africaine là. C'est ce qu'on veut voir en fait. C'est ce qu'on veut voir. Voilà. Et puis, bon, est-ce que c'est la peine de vous dire d'aller prendre les tickets encore pour le 1er janvier 2019, mais demande même s'il y a des tickets encore. Mais en tout cas, partez quand même dans les différents coins. Je pense qu'il peut y avoir quelques tickets encore. Partez vous en procurer. Parce que demain, là, c'est le concert qui annonce tous les autres concerts de l'année 2019. Voilà, et c'est M Group qui fait ça. Grand big up au Père Mola. Tu sais combien de fois il y a beaucoup d'admiration pour toi. Même si par moment, j'ai essayé de te titiller. Parce que mine de rien, tu es le grand frère. Et c'est toi qui dois faire assagir tes petits frères. Donc gros big up à M Group et à son équipe. Gros big up à mon champion Thierry Zo. Voilà. Quelqu'un qui a commencé à vraiment épouser ma vision. Et puis qui a commencé à vraiment faire de belles choses pour la musique ivoirienne. Franchement, moi j'attends ton Weyas. On fait Weyas des assises YouTube ici. Voilà. Big up à la mère Esther. Big up à Mousse depuis Abengourou. Big up à tous mes abonnés. Big up à mon père. Patrice depuis l'Estate, c'est la musique ivoirienne qui gagne les amis. C'est la musique ivoirienne qui gagne. Rendez-vous
à 14h. Rendez-vous à 14h, ma dernière vidéo de 2018. Voilà. Ce sera un vrai hommage. Restez branchés et apprêtez vous pour le featuring de Safari Lobiang. C'était qui Diabaté, c'était votre même serviteur Héritor. On est ensemble. Rendez-vous le 1er janvier 2019, l'idéal des meilleurs.